Tout ça, messieurs, dames, c'est un lac gelé. C'est magnifique en vrai. Et il y en a partout. Hein. Là, on vous en filme un, mais il y en a 19, vraiment, littéralement. Mais c'est grave beau. Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Du coup, on est à Dryden, c'est à peu près à 1h45, 2h de Air Falls. Donc on a fait la route parce que on se fait chier à Air Falls, donc on voulait bien visiter cette ville. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même KFC, Subway, McDo et Dairy Queen là. On va vous emmener, vous allez voir, c'est les glaces que je vous ai déjà montrées à Sudbury. Mais on va reprendre parce qu'on a faim là, tout simplement. Je viens de finir de manger un McDo, je vous ai pas filmé parce que en vrai de vrai c'est cool. Mais me voir bouffer toujours le même sandwich, ça vous intéresse pas trop. Mais du coup, let's go, je vous montre Dryden en espérant que ça va être cool. Bon voilà les gens, du coup on a pris nos glaces, on en a pris une chacun. Moi j'ai pris, je crois que c'est aux Turtles, je vais vous mettre ça ressemble à quoi, parce qu'en fait on n'en a pas en Europe. Du coup ça c'est mini, c'est la plus petite taille. Après sinon t'as small, moyen et large. Donc imaginez si, déjà ça c'est énorme quand même, ça fait... En gros c'est quoi, c'est... Non c'est un peu plus petit qu'un sundae je pense quand même. Oh non, je sais pas. En glace t'es pareil qu'un sundae. Mais du coup voilà, on a pris des Turtles et madame elle a pris aux cookies. Bon les gars, on s'est arrêté à Canadian Tire, en gros, parce que madame, quand elle travaille, elle a un peu froid, du coup on va lui acheter des vêtements, et il faut bien, du coup c'est un peu un fourre-tout en gros Canadian Tire, je crois que t'as des vêtements, des chaussures, enfin, c'est un mélange de Decathlon, Intersport, et toutes les autres conneries du style, du coup on y va, je vais essayer de vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans, mais bon, ça vous intéresse pas tant que ça. Bon voilà les gars, on sort du coup de Canadian Tire. On était parti pour, comme je vous ai dit, acheter un manteau, pull ou n'importe quoi, un truc qui peut réchauffer madame. Bah il y avait que dalle. Par contre, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Tu peux acheter une cafetière. Le rayon d'après, tu peux acheter une lunette pour ton sniper pour aller tuer un ours. Le rayon d'après, tu peux acheter des bonbons pour ton chat. Et le rayon d'après, tu peux t'acheter du PQ. Vraiment, leur truc, il n'y a rien à voir. En plus, ils font en plus de ça mécanicien. Ils ont un garage à côté. Enfin bref, ils font vraiment tout. Et c'est en général, les magasins au Canada aiment bien faire ça. En fait, ils sont pas spécialisés en un truc. Ils font plusieurs trucs à chaque fois. Du coup, c'est un peu galère. Tu es un peu perdu dans le magasin vu que tu t'y connais pas trop. Là, on a la première activité. Enfin, si on peut appeler ça une activité vite fait. En gros, à Dryden, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Genre, en gros, tu as un énorme renne. Renne caribou, j'en sais rien. En statue. Du coup voilà un petit peu, c'est genre la première activité de Dryden. Alors oui, c'est pas la folie. Alors petite bébête, il y a des gens qui marchent sur le lac. Ah ouais? Ouais, t'as plein de traces de pas. Voilà les gars, du coup là on est à Walmart, on va faire un petit peu des courses parce qu'on en a bien besoin. Sinon on va crever cette semaine vu que, soyons clairs, le premier Walmart du coup c'est celui-là et il est à 1h45, 2h de chez nous. Donc à part aller dans les petites supérettes qui coûtent une blinde et demie, c'est compliqué. Du coup on va à Walmart, on va faire nos petites courses. Ensuite on va aller voir s'il y a un pont ici, près d'ici, qui a l'air plutôt pas mal à aller voir. Donc on va aller voir si c'est ouvert, mais c'est pas sûr vu que l'hiver en général, à cause de la neige ou le froid, etc., tout est fermé. Ici tu peux faire du canyoning ou même des randonnées en quad, etc., ou en motoneige. Mais le problème c'est que l'hiver c'est la merde. Donc voilà, un petit peu compliqué. Voilà ce qu'on fait, let's go. Yo les gars, du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais, elle dure pas énormément de temps,
Mais comme vous voyez autour de moi, c'est que de la forêt et des toutes petites villes. Donc c'est vrai que je peux pas vous montrer, enfin faire des vlogs de 15-20 minutes, c'est impossible. Ou sinon ce serait toujours les mêmes vidéos, les mêmes chemins, les mêmes lacs gelés, etc. Donc ce serait un peu chiant pour vous. Mais je me suis dit quand même qu'il fallait que je vous montre. Au moins vous voyez quand même le Canada vraiment profond, au fin fond du monde, etc. Ça peut toujours plaire à certaines personnes et j'espère que ça vous plaira. Du coup voilà les gens, après bon on va partir sur des projets un peu plus différents à partir de maintenant, même si on va continuer les vlogs, mais on va partir sur des trucs du style dégustation, etc. J'espère que ça vous plaira, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas du tout, vous êtes 20 000 à me dire frère ça pue la merde ton idée, bon bah je le ferai pas, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo, je vous remercie, je vois que les premières vidéos que j'ai fait sur les vlogs ça vous a vraiment plu, surtout la première, elle a atteint les 1000 vues, franchement un grand merci à vous. Et puis je vous invite à toujours continuer à partager ma chaîne, à mettre des likes, à mettre des commentaires, etc. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao !